Écoutez cette bonne nouvelle, réjouissez-vous avec le ciel. Écoutez cette bonne nouvelle, Jésus n'est pas mort, il vit encore. Peut-être es-tu abattu, sache que rien n'est encore perdu. Lève-toi et crie-le fort, Jésus n'est pas mort, il vit encore. Tu peux lui dire, Jésus n'est pas mort, il vit encore. Et tous ensemble, poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Es-tu perdu dans la nuit? Regarde au loin, le phare brille. Prends courage et crie-le fort. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Jésus n'est pas mort, il vit encore. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Ok, 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 ok. Est-ce que je peux entendre un cri de joie du peuple de Dieu ce matin? Eh, dis donc, vous êtes des diesels ce matin, hein? Mais c'est bien, même les diesels avancent, on va le refaire ensemble, c'est parti! Poussons vers le Sauveur des cris de joie, frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur, chantons pour le roi. Encore une fois, poussons. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Jésus est notre espérance. Oh, tu vas le déclarer de tout ton cœur ce matin. Il triomphe sur la mort avec puissance. Son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Poussons vers le Sauveur des cris de joie. Frappons des mains en son honneur. Dans sa présence, plus de place pour la peur. Chantons pour le roi, alléluia. Chantons pour le roi, alléluia. Alléluia, Seigneur, nous te louons et nous te bénissons et nous te rendons la gloire de tout notre cœur, Seigneur, ensemble, peuple de Dieu, te loue, te bénit et te dit juste merci de pouvoir te louer, merci de pouvoir être en ta présence, Père éternel. Alléluia, célébrons-le ensemble pour ce qu'il a fait pour nous. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
suis enfant de Dieu, je suis à lui, lui dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à avec les instruments. Disons-lui une dernière fois, il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Lui dans sa maison. J'ai trouvé. Comme toi, oh, aide-moi
je prendrai ta parole. Je prendrai ta parole pour briller comme toi. Oh, aide-moi à vivre ici-bas. Seigneur, envoie ton feu. Seigneur, envoie ton feu qui brûle avec passion. Que mon amour grandisse pour toi. Je veux tout te donner. On va le reprendre encore une fois. Seigneur, envoie ton feu, Nina. Seigneur, envoie ton feu qui brûle avec passion. Que mon conduire dans un champ nouveau ce matin.
Commencement, commencement,
Ce moment n'est pas là pour toi, il est pour lui. Il n'est pas là d'abord pour que tu reçoives quelque chose, il est là pour que tu rendes quelque chose. Alors nous voulons lui rendre jusqu'au bout toute la gloire, la louange et l'honneur. Oh merci Jésus. Les anges.
pendant que vous prenez la Sainte Seine. Merci pour la croix. Je vous invite à vous charger de du pain et du vin. Pour ton amour si grand et vrai, dites-lui merci pour la croix. Pour ton sacrifice. Ton amour si grand et vrai. On a tant parlé de lui. Lui tant méprisé aussi. On a voulu l'effacer en lui perçant les deux pieds. Provoquer l'humiliation en le clouant sans raison. On a craché sur celui dont le visage aujourd'hui m'éblouit. Dans le silence, le sang coule sur la croix. Je m'approche de ce bois, à genoux, oh, à genoux devant ta face. Reçois ta pure grâce, je reçois ta pure grâce. Que tu guides chacun de mes pas. Jésus, de tout ton cœur. Pour ton amour si grand.
Alors que la musique continue tranquillement, permettez-moi d'introduire ce temps de Sainte-Seine avec le texte d'Apocalypse 1, à partir du verset 5, et il est dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, celui qui était, celui qui vient, le Tout-Puissant. Ce matin, bien-aimé, nous commémorons la Sainte-Seine, non pas pour quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans de cela, mais pour celui qui est, qui était et qui vient, celui qui est l'alpha et l'oméga. Il a donné sa vie pour nous, mais nous célébrons un Dieu puissant. Et en prenant la scène ce matin, nous commémorons l'œuvre qu'il a faite en souvenir, en mémoire de lui, mais également en nous rappelant. En nous rappelant que lorsque nous faisons ça, nous lui rendons la gloire. Lorsque nous vivons pour lui, nous lui rendons la gloire. Et nous nous rappelons que nous sommes ce royaume de sacrificateurs. Et nous nous rappelons qu'il vient et qu'il revient bientôt. Mon ami, ce matin, cette scène, prends-la comme un temps où tu rends la gloire à Dieu. Un temps où tu rends la gloire à Dieu. Ne sois pas triste pour l'œuvre de la croix, parce que l'œuvre de la croix est la plus belle des nouvelles que tu aies pu recevoir. C'est une bonne nouvelle. Laissez-moi vous relire le verset 8. Le verset 7, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, celui qui était, celui qui vient, le Tout-Puissant. Oh Seigneur, merci. Merci parce que nous pouvons commémorer, Seigneur, l'œuvre d'un Dieu merveilleux, d'un Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, nous te prions pour ce pain qui représente ton corps. Alors que je vous invite à préparer le pain, laissez-moi prier pour cela. Seigneur, nous te remercions pour ce pain. Ce pain n'est qu'un symbole, mais il nous rappelle l'œuvre que tu as faite. Et Seigneur, dans cette œuvre, il y a tellement de puissance. Tellement de puissance, Seigneur, que nous sommes lavés de nos péchés, purifiés de toute iniquité. C'est pour cela, Père, que nous prions pour ce vin et nous te remercions pour ce pain et nous te remercions pour le corps, Seigneur, que tu as livré en pâture pour nous par amour. Nous sommes reconnaissants et par ce geste, Seigneur, nous te rendons la gloire. Que tous ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur ce matin puissent prendre le pain. Merci Jésus pour le vin, symbole de ton sang, versé pour moi, versé pour chacun de mes frères et sœurs, chacun de mes amis devant les écrans. Père, tu as payé le prix et nous te disons merci de tout notre cœur. Est-ce que tu peux lui dire merci à ta place? Merci Jésus, merci Seigneur, merci, merci, merci. Nous ne sommes pas dignes, mais nous le prenons avec joie, avec reconnaissance, nous te rendons la gloire. Que ton nom soit béni, Père. Je vous invite à prendre le vin ce matin. Alléluia. Reprenons cette partie. Le ciel acclame, les anges proclament. Dites-lui, rendez-lui la gloire pour ce qu'il a fait. À tout jamais. Sainte nuit, Alléluia. Le ciel acclame, les anges proclament, ô gloire à Dieu, ô roi des cieux, à tout jamais, ô Sainte notre cœur encore une fois. Le ciel. Ô Saint-Denis.
Père éternel, nous te rendons la gloire pour cette œuvre merveilleuse que tu as faite. Mais Seigneur, nous te remercions également parce que tu pourvois à tous les besoins de ton peuple et à tous les besoins de ton Église. Nous voulons, Seigneur, nous rappeler que l'Église est ton épouse et tu veilles sur ton épouse. Et nous te remercions pour chacun qui peut donner. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont la charge. La gestion, Seigneur, de cet argent, ô combien est délicate, Seigneur, la mission et la responsabilité est grande, mais nous te demandons vraiment de les bénir et de les encourager, leur donner la sagesse qui vient du ciel pour bien gérer. Mais Père, nous te prions peut-être pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de donner. Seigneur, tu prends soin de chacun de tes enfants. Tu nous dis que tu habilles les fleurs. Alors Seigneur, tu donnes à tes enfants tout ce dont ils ont besoin. Mais je te prie, Père, donne à tes enfants la foi pour croire que tu pourvois leurs besoins. Merci Père, que ton nom soit loué, béni et glorifié, Papa. Amen. Amen. Sveti. Zu einem Mann sprechen und sagt ihm. Seigneur parle à un homme et il lui dit. Du schaust immer dich herum und schaust, welche Frauen andere Männer haben. Tu regardes autour de toi et tu regardes les épouses qu'ont les autres maris. Und du siehst, dass die anderen Frauen besser sind wie die, die du hast. Et tu constates que les autres épouses sont meilleures que celles que tu as. Und der Herr sagt dir, mein Sohn, Seigneur te dit, mon fils, ich habe dir das Beste zur Seite gestellt. Je t'ai mis à tes côtés la meilleure des parts. Das, was du brauchst und was deine Kinder brauchen, hast du von mir bekommen. Ce dont tu as besoin et ce dont tes enfants ont besoin, c'est de moi que tu l'as reçu. Schau nicht mehr dich. Ne regarde plus autour de toi. Sondern schau auf deine Frau. Regarde à ta femme, ton épouse. Segne deine Frau. Bénis-la. Segne deine Kinder. Bénis tes enfants. Bete für sie. Prie pour eux. Suche Einheit. Recherche l'unité. Kritisiere nicht und versuch nicht zu verändern. Ne critique pas, ne cherche pas à changer. Lass meinen Heiligen Geist wirken. Allez changer. Laisse-moi mon esprit agir. Durch die Liebe, die wirkt durch dich, mein Sohn. Par l'amour qui agit au travers de toi, mon fils. Wirst du das Beste haben, was ich dir geschenkt habe. Tu auras le meilleur de ce que je t'ai proposé et donné. Und der Herr möchte noch zur Gemeinde sagen. Et Dieu veut aussi dire à l'Église. Fürchtet euch nicht, meine Kinder. Ne craignez point mes enfants. Denn ich bin mit euch. Car je suis avec vous. Ich verlasse euch nicht. Je ne vous délaisserai point. Ich habe einen Weg vor euch gebannt der Heiligkeit. J'ai établi devant vous un chemin de la sainteté. Einen heiligen Weg für all die, die sich entscheiden, mir im Geist und in der Wahrheit nachzufolgen. Un chemin de sainteté pour toutes celles et ceux qui se sont décidés à me suivre. Und über diesen Weg habe ich einen Banner mit dem Sieg ausgeschrieben. Et au-dessus de ce chemin, j'ai placé une bannière de la victoire. Fürchtet euch nicht, ich bin mit euch. Ne craignez point, je suis avec vous. Es ist noch nicht das Ende. Ce n'est pas encore la fin. Es ist der Anfang von vielen Möglichkeiten, die noch kommen. Mais c'est le début de beaucoup de possibilités, d'opportunités qui viennent. Wenn die Krankheiten noch schlimmer werden. Et si les maladies devaient encore s'empirer. Beulen an den Körpern und Ausschläge kommen werden. Lorsque des bosses et lorsque des éruptions cutanées viendront sur les corps. So kommt immer wieder zu mir. Revenez à moi. Denn bei mir habt ihr Sicherheit. Car auprès de moi, vous trouvez de la sécurité. Ich werde euch führen und geleiten. Je vous conduirai, sagt je vous dirigerai. Der Herr, der euch liebt. Vous dit le Seigneur qui vous aime. Alléluia. Le Seigneur me montre une vision où je vois un homme sauter d'un bateau. Et le Seigneur veut parler à cet homme-là. Tu utilises ta liberté pour t'éloigner de moi, t'éloigner de mon église. Et petit à petit, tu t'éloignes en disant « mais c'est pas si grave, et c'est pas si grave ». Le problème, c'est qu'un jour, il sera trop tard. Ainsi, le Seigneur te dit « ne fais pas de ta liberté une occasion de chute pour toi-même et pour les autres, parce que tu es un mauvais exemple. Les gens te suivent, t'écoutent. Ainsi, attache-toi à moi, à ma présence, à mon église. Attache-toi à ma parole. Sois intègre. Et tu verras combien tu découvriras une joie bien plus grande qu'au travers des plaisirs de ce monde. Reviens à moi. » Il y a également une parole pour plusieurs où Dieu vous dit, si vous ne pardonnez pas,
je ne vous guérirai pas. J'aimerais vous guérir, mais je vous résiste parce que vous ne pardonnez pas. Tant de fois vous avez entendu cela, mais vous n'avez pourtant pas fait le pas de vous repentir et de pardonner. Pardonnez ce matin et vous serez guéri, vous dit le Seigneur. Amen. Amen. Et le Seigneur touche également une personne au niveau de sur Internet. Et vous avez un problème au niveau de votre foi. Et c'est suffisamment grave pour que vous soyez très régulièrement, tous les mois, en contact avec les médecins. Et Dieu vous guérit totalement ce matin. Retournez voir votre médecin et ils n'expliqueront pas. Mais au travers de cela, vous glorifierez le Seigneur et vous témoignerez de sa puissance parce que le Seigneur vous aime. Amen. Seigneur, merci pour ces merveilleux moments. Nous te louons, nous te bénissons. Qu'il est bon d'être dans ta présence, Père. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Tout en moi veut t'adorer.